place avec Rebecca, je pense. Ah si. Maintenant, j'ai plus de place avec Rebecca, je pense. Voilà. Je pensais qu'il y avait plus personne, mais en fait, si. Il y en a encore un quelque part, mais je sais pas où. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Il y en a encore. Je sais pas où, hein, mais j'en ai encore entendu un. J'ai pas mal de soins. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être soigné? Non, c'est bon, j'ai tous les deux un OK. Que j'ai vraiment besoin de prendre les rubans encreurs. Je veux dire, par là, je vais en retrouver. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je prenne du soin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, on verra. À mon avis, du soin, j'en retrouverai, ça ira. Mon avis doit être dans l'espèce de petit jardin, le zombie, mais on s'en fout. Allez, hop. Grappin, on s'en fout. Alors. Je vais le reprendre après, hein, mais c'est juste histoire de ramasser les objets là pour pouvoir les utiliser.
Voilà. Et comme j'ai que plein de rubans en creux, on va sauver une petite fois encore. T'attends quoi, Rebecca? C'est qui a les rubans en creux, d'ailleurs? C'est moi ou... Non, c'est elle, évidemment. Je sais pas ce qu'elle attend, là. Elle s'est pris la porte, et depuis, bah... Que je regarde un peu l'état de mon inventaire. Ok, on va tester comme ça. Pas toi! Je me rappelais, hein. Ça je m'en rappelais, mais je l'aime tellement pas. Et Billy qui se pète la gueule comme un con, là. On sait pas où il est, ben Billy il a disparu. Et on a aussi ces saloperies de sangsues, là, que je vais me prendre un malin plaisir à écraser. Sangsue de merde. Voilà. Tu l'as cherché. Je crois que je vais laisser les rubans en creux, parce qu'il y a un autre objet un peu plus important que ça que je vais devoir prendre après, donc tant pis, je laisse les rubans en creux ici, on verra bien. Oh, comment je l'ai esquivé! Voilà, voilà l'objet important. Le magnum! Démarrer le téléphérique. Oui, Billy, j'en ai rien à foutre. Tant pis pour toi, moi je t'abandonne. Salut! Des plantes, bien. Je ne me rappelle plus d'où je dois aller. Attends. Je ne sais pas lire ce qu'il y a écrit sur le mur. Attends. Large elevator et... Operation...
Bar, je sais pas. Ah, de toute façon, c'est fermé. Alors ici, petit clin d'œil à Resident Evil 2, qui doit être mon Resident Evil préféré d'ailleurs. Parce qu'ici, ben voilà quoi, on voit ce que c'est, hein. Si vous avez regardé mon Let's Play de Resident Evil 2, vous voyez où je suis, quoi, c'est... Prends les balles. Merci. Attends, parce que ici, j'ai trop de choses sur moi. Je vais laisser ça ici. Je vais pouvoir revenir par ici plus tard s'il faut, de toute façon. Donc, En fait, dans Resident Evil 2, on vient par cette trappe. Mais ici, c'est scellé, on peut pas passer. Ici, en fait, on fait exactement la même chose que dans le scénario B de Resident Evil 2, que je ne vous ai toujours pas mis en ligne et je suis désolée. Mais vous verrez quand je le mettrai en ligne. Ce qui sera frais, promis. Du coup, j'en dis pas plus de cet endroit. Vous verrez quand on y jouera, quand je vous mettrai Resident Evil 2, scénario B. Vous comprendrez. Quelque chose est exposé. C'est dégueulasse. Un humanoïde géant est en suspension dans un fluide bio-organique, à l'intérieur d'une capsule. Miam, miam. Ah, mais petit con! Heureusement, ils sont faciles à esquiver, ceux-là. Alors, la clé qu'on a trouvée, je crois qu'on doit l'utiliser ici, si je ne me trompe pas. On peut lire U. Voilà. Que je fais une sauvegarde ou pas? Quand est-ce que j'ai sauvegardé la dernière fois? Ah oui, non, j'ai sauvegardé il n'y a pas longtemps. Laisse tomber, hein. On ne va pas exagérer non plus. Ici, dans Resident Evil 2, bah avec le scénario de Léon que j'ai déjà fait, logiquement, il y a une espèce de train au milieu qui n'est pas ici, je sais pas pourquoi. Je sais ce qui m'attend, donc je me prépare, hein? Ici, on a
Un ascenseur qui ne fonctionne pas pour le moment. Alors, ça ici, dans Resident Evil 2, ça n'existe pas. Hein. C'est un mur ou une porte fermée, on ne sait pas y aller dans Resident Evil 2. Mais ici, c'est exactement comme dans Resident Evil 2. Quand j'ai joué à ce jeu la première fois, j'étais genre, oh mon Dieu, c'est le labo de Resident Evil, de Resident Evil 2, on va pouvoir y aller, ça va être trop cool. Et en fait, non. C'est juste un petit clin d'œil, mais non, on peut pas continuer par là. Parce que cette porte-là, sur la porte est écrit salle de sécurité, inutile de fouiller cet endroit. Ce que je trouve très con. Parce que truc de sécurité, moi, en général, je vais me dire peut-être munitions. Non, elle veut pas y aller. Plutôt que de dire la porte est fermée. Pareil, ici. Inutile de fouiller cet endroit. Pourquoi? Pourquoi tu me dis tout simplement pas la porte est scellée ou quelque chose comme ça? Non, non, c'est inutile de fouiller cet endroit, ce que je trouve très con comme excuse. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, all right. Just be careful. I never saw him again. Alors ça ici, c'est une scène que je trouve complètement inutile. Parce que Enrico, qu'est-ce qu'il fout là? Déjà, de un, parce que cet ascenseur-là te mène au laboratoire d'Umbrella de Resident Evil 2, ça t'amène aussi au train, je crois, si je me rappelle bien, parce que ça fait partie du scénario B que je n'ai pas vraiment fait. Bref, qu'est-ce que Enrico fout là? Sachant que dans Resident Evil 1, il est dans le manoir et il crève dans le manoir. Je veux dire par là, je vois pas l'intérêt de nous montrer Enrico ici. Parce que ça veut dire qu'Enrico en sait beaucoup plus que ce qu'on nous fait croire dans le 1. Ah, j'aime pas trop cette cinématique, je la trouve inutile. Parce qu'elle apporte rien au scénario, là, hein, en plus. Là, il s'est barré, on sait pas où. Parce que qu'est-ce qu'il fout dans le laboratoire du 2? Surtout qu'à ce moment-là, ce que je trouve con aussi, ici. Il s'est encore rien passé. Techniquement, ce laboratoire est encore utilisé parce que dans Resident Evil, là on est au moment de Resident Evil 1, on est un petit peu avant ou en même temps, plus ou moins. Il n'y a pas encore eu l'attaque du laboratoire par les mercenaires d'Umbrella pour piquer le virus G à William Birkin. Donc pourquoi est-ce que Enrico peut se promener comme si de rien n'était ici? Ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens.
Voilà un tyran que je n'aime pas. Parce qu'il saute. Oh punaise. Non, pas encore. Voilà, maintenant, oui. Ouh. Ce combat-là, je suis pas fan. Mais ça va, je me suis pas pris de dégâts, c'est une bonne chose. Sélectionner un niveau. Je me rappelle plus, donc on va tous les faire. Non, je suis où ici? Ah oui, me revoilà au centre en fait. Quand je regarde la carte, je suis de retour ici. Y'a quoi qui traîne? Rien d'intéressant. J'avais complètement oublié qu'on pouvait revenir par ici, ce qui veut dire que j'ai fait le déménagement des objets un peu pour rien. Mais bon, écoute, tant pis, hein, maintenant que ça fait, c'est fait, hein, merde. Alors, niveau 2, s'il vous plaît. J'avais complètement oublié qu'on pouvait revenir au centre, du coup j'ai fait le déménagement des objets pour rien. Tant pis! C'est un peu frustrant, mais tant pis. Je vais pas rester ici, parce qu'il y a des... Merde, c'est quoi le nom? Des hunters. J'ai pas envie de rester ici. Surtout que ça me ramène au début, entre guillemets. Là, au fait, ça me ramène tout ce qu'il y a... À gauche, c'est là où on est arrivé avec le téléphérique, donc j'ai pas besoin d'y aller pour le moment, donc je m'en fous. Donc je prends les munitions Magnum qui traînaient, ça c'est très bien, mais sinon je me casse. J'ai pas besoin de rester ici et de risquer ma santé pour simplement aller ouvrir une porte. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Bon, bah c'est pas encore maintenant qu'on va retrouver Billy, hein. Ok, c'est la porte devant moi. Je vais pas le prendre avec, je vais juste le marquer sur la carte. Une petite sauvegarde, ça c'est pas de refus.
Alors, juste pour vous montrer. L'ascenseur ne marche pas. L'alimentation a l'air d'être coupée. Voilà. Comme ça, vous comprenez aussi un petit peu pourquoi je viens ici. Panneau d'alimentation du barrage. En désignant un point d'alimentation électrique, il est possible d'alimenter n'importe quelle zone jusqu'à 2 points d'écart. Changez les points. En fait, là, je vais devoir faire une petite énigme pour remettre le courant. Voilà, tous les points doivent être allumés. Tous. Et je ne peux le faire que 3 fois. Je me suis gouré. Voilà, il en manque un. Je n'arrive jamais à la faire du premier coup, cette énigme. Raté. C'est pas ce que je devais faire. Bon, on recommence. Voilà. Mieux. On dirait que l'électricité a été rétablie. Bien, bien, bien. Lui est mort. Ok, il y en a un qui est pas mort. Voire peut-être même les deux. Bon, ça va, ils sont tous les deux morts. Du soin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de soin pour le moment? Non, parce que j'ai encore mon spray. Là, j'ai des bouteilles, mais je m'en fous. À la limite, je peux les marquer sur la carte. Oh, et puis non. Oh, et puis si.